Bonjour fidèle internaute de cette chaîne Top Africa Télévision. Bienvenue encore une fois dans cette émission Congo mon pays. Congo mon pays, votre émission d'analyse et votre émission de veille patriotique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Joseph Kabila. Est-ce que, en ce moment où nous sommes en train de parler, ou en ce moment où nous sommes en train de faire cette émission, est-ce que Joseph Kabila est encore en vie? La question dont plusieurs sont en train de se poser, nous allons en parler dans cette émission. Et est-ce que y a-t-il eu tentative d'assassinat chez l'ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie, Joseph Kabila? Donc, nous allons savoir dans cette émission s'il est vivant ou alors s'il y a-t-il eu tentative d'assassinat. Voilà, nous allons aussi parler de cette guerre entre les ministres de justice Constant Mutamba, le ministre de la justice Constant Mutamba et le syndicat de magistrats et tout le magistrat de la République démocratique du Congo. Donc il y a une guerre entre le ministre de la justice et les magistrats de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans cette émission. Avant ça, je vais vous demander de vous abonner. Je vais d'abord vous dire merci parce que vous êtes plus de 145 000 abonnés à nous suivre. Je vous dis merci, merci de toujours agrandir cette grande famille. Et je vais vous demander, pour ceux-là qui nous rejoignent, aujourd'hui, je vous demande de partager cette émission. Permettez à tout le Congolais d'être informé de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et vous tous, surtout vous qui êtes du côté de la diaspora, je vais vraiment vous demander de partager et regarder ou suivre cette émission en famille. Permettez à tout le monde d'être informé de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Merci à la grande équipe de Top Africa Télévision. Là, je vois Mardoché Mouteba et Israël Kaloubi derrière la caméra. Merci beaucoup à la technique là-bas. Je vois aussi Peggy Walungwa à la réalisation. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, massivement, likez et aussi partagez cette émission. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec cette guerre entre le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, et le syndicat des magistrats du Congo, de la République démocratique du Congo, bien sûr. Cette guerre qui fait vraiment, 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 qui fait parler, hein, Gerweza Makasi, entre les ministres de la justice le magistrat de la République démocratique du Congo. Donc, les magistrats de la République démocratique du Congo, comme je viens de le dire tantôt, accusent les ministres de justice, M. Constant Mutamba, d'ingérence des affaires judiciaires et aussi d'instaurer des tribunaux populaires. Donc, magistrat Nabiso Bazako Funda Mwanamboka, ministre de la Justice Constant Mutamba, d'ingérence dans des affaires judiciaires et aussi d'instaurer des tribunaux populaires. Donc, des tribunaux populaires et aussi, ils accusent, mais c'est les ministres d'organiser des tribunaux populaires et d'ordonner publiquement des arrestations. Donc, le ministre ordonne publiquement des arrestations. Wana, Eza, raison, Oyo, Ndeko Nabiso, magistrat, Fundi, moi, Namboka Constant Mutamba, ministre et la justice, Oyo, Tozako, Sepela, le Kolangaï, Nazako, Sepela. Vraiment, la Moussa, Nazako, Sala, parce que ça fait un moment, Tozako, Lelana, Oyo, Tani, justice, Namboka, Nabiso. Ça fait plusieurs années que nous sommes en train de plaider de ce qui est la justice dans notre pays. Mais le gouvernement, Oyo, il y a Maman Gilles Soumi, nous avons eu quand même. Ministre de la Justice, Moko Oyo, Azako faire bouger les choses.
Je ne sais pas, Bandeko Bazola, on va être informé, tu vas être informé, vous allez d'accord avec moi que depuis que M. Topemon Lamboka Constant Moutamba, Otoza Robenga, des pères et des mères, avant d'y n'angouende, on a un ministre de la justice, Otoza Romona Makamboza Koningana. Otoza Romona Makamboza Koningana. Du côté de la justice, parce que nous le savons très bien que la justice, il y a un beau canapé, Otoza Kolobango, chaque fois que la justice de la République démocratique du Congo est malade. Notre justice souffre. Mais quand même, cette fois-ci, nous avons un mboka, ou un souci à mboka. Nous avons un souci à mboka, mais nous avons un souci à ba Congolais, à ba ndeko na ye, ba citoyen local à ye. Parmi les accusations de syndicats, des syndicats des magistrats congolais, tout le bien dans le dossier, le cas est instauration des tribunaux populaires. Je ne sais pas, pour ceux-là qui sont abonnés à Top Africa Télévision, pour ceux-là qui nous suivent dans ma émission, Emma, chaîne Nabiso, cloche à notification, wana, appuyer quelque part, wana, déjà, à chaque fois que vous êtes en ligne, à chaque fois que vous êtes émission à Sikato, élément à Sikabazakor courant. Donc, ceux-là sont censés savoir que Tozan a habitué dans notre chaîne d'être là présent à chaque fois que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, organise ses tribunaux populaires. Tozan a appelé et Bélé Awa, il y a des gens, peut-être, il y a une adresse T, place Nye Salamaka, Benga Rabiso, Topé Sarabango, adresse. Bon, il y a raté. Programme, il y a tribunal, il y a tribunal, il y a la journée, il y a ben arabiso, tu peux faire un programme, ba kendaka, et puis ça arabiso, merci, Top Africa Télévision, merci, maman Jemi, merci, Ndeko Jia Walungwa, to kenda ki kuna, quand même, ba yamba ki biso. Il y a plusieurs cas, nambo kanabiso, on a encore besoin en suspens. Plusieurs cas judiciaires, Nambo Kanabiso, oh, c'est là qui n'ont pas le moyen, bazala qui n'a accepté. Nako katama, nama, kam nabango katama malam. Ebele a ba Congolais, bazala ba dossier awa, na ba tribunal na biso, na justice na biso, moye ba kate la bango makambo zate, moye ba dossier na bango ekende. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le moyen. Pourquoi? Parce que Bazan a appui mon koboété. Nous savons très bien comment la justice de notre pays fonctionne. Nous le savons très bien. Aujourd'hui, quand même, les gens ont une lueur d'espoir. Baka ezaka ebele na ba tribunaux populaires wana. L'autre fois, tu as dit comment on a bandé ko ebele. Bazaki wana surtout baka ya mapango ba mama veuve ba ya kuna ebele nga ba botola ki nga lopango nazaki na déplacement ton na ye na tsaki bana na kutu ba bengani bana na lopango muto asombi lopango wana c'est un plus fort que mama wana ya veuve parce que mama wana veuve azana ma kokite ya kolandela peut-être dossier na ye muto akei ko samba na mama wana azana ma kokie ebele akei a corrompre justice. Jésus est Katili Kambu, na faveur, ya oya zaki na raison de parce que maman wana zaki na mbongote. Nous avons vu plusieurs cas ya ba viol, ezo ya pekuna. Pour ceux-là qui suivent à chaque fois, qui sont connectés à chaque fois, tchaka ba dossier, ya ba tribunaux populaires, wana ba yebi ba histoire et le kakarana. Ba toubaya kanabaka, ya ndenge na ndenge. Il y a des gens qui viennent, bazan ko plaide ba cause ba ndeko na bango bazan peut-être na prison ya makala. Ba lande la dossier na yete. Pourquoi? Parce que azaki na mbongo te. Ba kende ko tika na parquet. Parquet a sandie. Kamion makala ya kate eye. Romona, il y a des cas où une personne ba ko accusé ye qui a eu par exemple le téléphone. Ma comité na niveau à parquet. Azui to même pas ya ko samba. Kamya makale ya kate eye.
parqué à côté de la camion Makala, à se retrouver dans la prison sans pour autant à Samba, à sali peut-être 5 ans. Baka et arrestation provisoire Eza tellement ébélé. Batouba qui n'a pas plaidé dans le tribunal. Wana. Tout ça, il y a plusieurs émissions. Si vous avez une chaîne, la Top Africa Télévision, Botali, Bokomona. Le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, pour moi, je trouve qu'il est en train d'aider même les plus démunis. Au bazar, ma coquille, les lots. Pour ne pas se payer par avocat. Pour ne pas se payer justice à Malam, parce que justice à Malam, Nambourg, la bise, commis trop cher. La justice est comme il faut dépendre là-bas, au bas, on a plus de moyens. Maintenant, c'est ce que M. Constant Moutamba a à côté l'aimé là. C'est le combat du ministre de la justice. C'est vraiment son combat. Il y a un monde à côté l'aimé là. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Le magistrat de la République démocratique du Congo, baza côté les Melamon Amboka, Constant Moutamba, na angle wana parce que, ndekaraye moko lobby, parce que aujourd'hui, je vais déjà vous informer que c'est depuis lundi que le ministre de la Justice a réagi suite à ba accusation wana, oyo, l'ensemble. Il y a un magistrat congolais, il a réagi par rapport à toutes ces accusations. Parce qu'il ne pouvait pas rester tranquille, parce qu'il est en train de faire le travail Oyo, Tata Mokonzi Amboka, à Tindieto, Awa. La sortie médiatique que le président de la République a faite après. Cause à la convalescente Kuna na Belgique. Il a parlé du ministre de la Justice. Il lui a donné une mission. Il lui a vraiment donné une mission. Moi, je pense que cette mission, c'est vraiment. Moi, je suis Constant Moutamba a exécuté correctement. Parce que c'est encore le début. Nous ne savons pas jusqu'où il va aller. Mais problème na biso na Congo, problème na biso ya ba congolais, et ça que justice ya mboka na biso et bika et guéri, que la justice de notre pays guérisse. Alors, nous avons remarqué aussi que M. Constant Moutamba est vraiment le médecin qu'il faut na maladie ya justice ya mboka na biso. Le ministre de la Justice a réagi, il dit que son objectif et de combattre les réseaux mafieux au sein du système judiciaire congolais et non de s'attaquer aux magistrats eux-mêmes. Parce que les magistrats disent que le ministre de la Justice, à chaque sortie médiatique, il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à eux. Il a répondu que son objectif, ce n'est pas de les combattre, mais plutôt de combattre les réseaux mafieux. Chers compatriotes, donc l'objectif de M. Constant Moutamba, c'est de combattre les réseaux mafieux du système judiciaire en République démocratique du Congo. C'est son objectif. Et c'est ce qui dérange. Vraiment, c'est ce qui dérange. Et les réformes que M. Constant Moutamba a apportées na justice ya mboka na biso. C'est vraiment ça qui dérange. Parce que vous pouvez imaginer, il y a des magistrats, oh, par exemple, je ne parle pas de tous les magistrats. Parce qu'il y a des gens aussi intègres dans la carte de magistrats. Il y a aussi des magistrats, oh, Kania Kabaebi Angote. Oh, bah, ça, la serment à Bango correctement. Mais il y a aussi un réseau, il y a tout un réseau mafieux dans le système judiciaire de notre pays. Donc, ma réforme, Wana. Et ça peut déranger Bango. Vous pouvez retrouver un magistrat, par exemple, oh yo, salaire n'est pas un exemple, ça rappelle un salaire à 1 000 dollars.
Mais ce qu'on va avoir, tu te demandes comment ça se fait que magistrat on a salaire naïe. Comment ça se fait que magistrat Oyo azo tonga banda kwa minene et puis banda kwa belé na salaire à $1000. Comment ça se fait? Ce sont ces genres de magistrats là nde ba réforme o eza ko déranger bango. Ce sont ces genres de magistrats là qui sont dérangés par rapport aux réformes que M. Constant Moutamba apporte dans le système judiciaire de notre pays. Ce sont des genres de magistrats que M. Constant Moutamba traite de mafieux. Parce que nous le savons très bien. Nous savons comment ça fonctionne dans ce pays. Pour ceux qui ont l'argent, il y a la justice. Pour ceux qui n'en ont pas, il n'y a pas de justice. Nous le savons très bien. Ce sont des antivaleurs. Et ça, antivaleurs, oh, moi, je suis un conseil qui a été fait pour abonder ça. Je suis un conseil qui a été fait. Nous ne pouvons pas parler de la justice pour tous, la justice pour tout le monde, mais dans ce système, oh, tout ça, tout ça, non. On est aux ajustistes. Parmi les réformes que M. Constant Moutamba a apportées dans le système judiciaire, c'est la bancarisation des recettes judiciaires. Bancarisation des systèmes judiciaires et locaux, je vous dis, et ça dit que les magistrats et surtout les magistrats mafieux sont la nangote. Bancarisation de recettes judiciaires. Donc, ma recette judiciaire, ni surtout, et que je compte dans le trésor public, correctement, en entièreté. $1000 y a amende, bon, katelaki moutou, $1000 et cotine à caisse. Or, auparavant, c'était pas ça. Ba amende, nous sommes dans le rogato, mi tout n'aura. Ba amende, mi nene, ba katela rabatou. Neni, caisse à l'été, ça rara vide. Neni que ça l'était ça la mbonga malongate. Or par contre, si les systèmes mafieux ils ont ça là que mutaye peut-être na mande il y a 1000 francs parce que car 100 francs de batina que ça l'état 900 francs nyonso. Mutaye na mande il y a $1000, $100 na que ça l'état. Tam sou de $100 te $50 na que ça l'état. 950 nyonso na poche. Il y a un magistrat, un kaboli, un sali ambiance, un chantier. Ce système va vraiment aider le trésor public, bancarisation des recettes judiciaires. Mais c'est quand même Moutamba dit qu'il a instauré ce système pour mettre fin aux corruptions. Donc, moi, je vais corrompre les sous-sous athées. Et puis exploser les recettes de l'État. Exploser aussi les recettes de l'État. Tu retiens la sikoyo. Et aussi, il est précisé que tous ceux qui vont créer un compte parallèle seront arrêtés. Tous ceux-là qui vont créer un compte parallèle. Client yé, ton mouton il faut payer sa amende yé, vous payez si amende morobe par exemple à $500, vous payez si deux comptes, ton vous payez si compte moro y a faux compte morobe, compte parallèle morobe. Zoua numéro à compte, ou kéno koti gambon, ou ya kanta yé koti gambon, ou kota na compte à l'état, nzoka, et kéno kota na compte privé na bango. Tous ceux là qui vont oser faire ça seront arrêtés. Ils seront arrêtés. Parce que le ministre de la Justice a vraiment pris les choses en main. Il a vraiment pris les choses en main. Ben, magistrat, ben, comment on a pas un goût, je ne sais pas, n'engani n'a rien expliqué un goût. Dossier Nios, voilà pourquoi il y a plusieurs cas, il y a un conflit parcellaire.
en République démocratique du Congo, et surtout à Kinshasa. Il y a plusieurs cas, il y a un conflit parcellaire. En suspens, car à Boué. Bon, on a un dossier, il y a un conflit parcellaire. Il y a un samba, il y a un car à des années et des années. Et ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un cas adverse. Il y a un peu de temps, il y a un magistrat. Il y a un peu de temps, je vous dis, il y a un peu de temps, de longues années. Pardon. Et ça aura de longues années. Baka va compliquer conflit parcellaire. Tous ça n'a vraiment ébélé. Les choses sont en train de bouger du côté de la justice. Vraiment, ça prouve suffisamment. Parce que ni t'étais ça, tu n'as pas eu de réaction au yoté. Et surtout, dossier à tribunaux populaires, moi je vous dis. Bandeko va se reconnecter, tebozo na kata ba vidéo, ou alors vous allez suivre ça prochainement. Je pense jeudi. Procès on est à chaque jeudi. Vous allez scotcher na Top Africa Télévision. Jeudi, vous allez suivre ce procès. Boyo ka ba kandenge yaka. Boyo ka ba kandenge yaka escroquerie, bat ba meli bango mapango, bat ba botoli bango mituka, bat ba botoli bango ba héritage. Ma dossier pèse la déjà la justice, mais ma dossier est là, là, nango. Écoute ma poussière. Ma dossier écoute ma poussière. Le chef de l'État avait raison quand il a dit qu'avec le ministre de la Justice, Constant Moutamba, ma placard, ma refoule, ma tiroir dans ma placard. Ma placard dans ma tiroir et refoule. Et les cadavres, tu redécouvres ma cadavre. Voilà, nous commençons déjà à voir comment la guerre commence déjà au niveau de la justice. Les magistrats qui sont en train de faire la guerre avec le ministre Constant Moutamba, je ne sais pas. Mais est-ce que Moutouno Toza Romitouna, la plupart, n'a qu'à Tina Bango? Est-ce qu'il n'y a pas des dossiers louches? Oh, yo, bango, bazan, la carte, voilà pourquoi bazan, côté les mela. Moi, la mort, constant, moutambarosa, moussane, malam. Est-ce que dans des tiroirs, dans tous ces tiroirs-là, bazan, la carte, cité, bazan, la dossier louche, t'es. Donc, voilà pourquoi. Nous sommes tous derrière les ministres de la justice, les ministres d'État, messieurs Constant Moutamba. Vraiment, nous encourageons avec cette allure, tout en haut, à que, ok, il est vraiment liboso, et puis, au garder même, même à lire, hein, elles à la tête, elles à la dessus du sous-sous, parce que à lire, les gens ont même la macambou. Oui, mais avant de clore ce chapitre, je vais demander à la régie de nous proposer une réaction à quelques Congolais. Automatiquement, qu'on soit quelques Congolais, qu'on va réagir par rapport à Moussala, à Mwanamboka, Constant Moutamba. Parce que vous êtes sans le savoir que Constant Moutamba a outil en gamme ou y a opposition. Même pas. Na union sacrée mais na ngambu ya opposition. Donc le président de la République a tali pena na union sacrée a moni muto a koyiko assumer poste wana te a kati si na ngambu ya opposition tota tozo mona biso nyoso ndenge mwana mboka Constant Moutamba za ko sala musala. Donc régie a balancé les biso réaction à quelques Congolais kaka par rapport ya travail ya le ministre de la justice, moi la boka Constant Moutamba, et je vous reviens tout juste après. Madame, la vision à la population, la vision à parti, et ça comme on a une de Constant Moutamba. Vraiment, dans un essai, comme on a jeune garçon, il y a les bossos, parce que ma génération a mis ça, comme on a que Moutamba déjà à 36 ans, comme il y a 10 millions de dollars américains, mon frère, et donc s'y passer même une. Donc, au moins, on a un âge où il y a un trop jeune,
déjà à ce point belé à mon on a 10 millions mais ceux qui m'a mis c'est un sous-sous merci parce que bon déjà si pas bon par contre ça va bien c'est pas plus qu'on voit on a pas mis par ci par là mais mes opérations n'ont pas 6 000 euros la maman rose mouton maman ou mêlé le ministère ou en a donc la prison centrale va mettre ça à la côté la prison centrale va ouester tonda. Donc, il y a un gouvernement qui a fait un fatigue, qui a fait un peu de temps, qui a fait un peu de temps, qui a fait un peu de temps. Ils ont fait ça, ils ont passé le temps où ils ont fait un fatigue. Ils ont fait un peu de salité, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps, ils ont mis en justice, ils ont évité. Quand même, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un en tout cas, coup de chapeau dans Kosta Mutamba, il y a un symbole à Moussa Nenge Sengeli. Vraiment, je suis dit que ma maman a fait un fonction à ma case, je suis dit que ma maman a n'est-ce pas bien qu'on va ministre du travail et c'est un mouton ma casque à moi au bal mouton terrain ton lingui va ministre va bureauter lobby avant hier c'est plein à Chabani dingue la monnaie qui n'a rien coqué à Tambola qui n'a pas souci à côté mara sous cette mise à tout minéité qui tient ça pour bibokoyo que ma vérité de l'égoza et puis que bâti comme ce système que mouton salé inflation à la souci à appelle sa capitaine mbongo appelle sa major mbongo bongo ça mala mouté si c'est comme ça. Je suis la caractère que nous avons fait fashion, ma pêche est Mukanda, à qui foutre un bon banque, ma pêche est quitte, c'est pour nous encore un trésor public. Mais nous avons fait un bon et ça m'a la moutée. En tout cas, je suis appelé ma casse dans le ministre de la Justice, Kosta Mutamba. Combat toujours comme ça, pour les battre, continuez toujours. Nous avons fait ça, 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 nous avons fait ça. Combat à ta fille de fiancée, dans mon égard, j'ai ces mots qu'il y a bien mis balai, dans des convictions de caméra. Voté mis la vitale caméra pour aller consoler là. La diplomatie, l'attitude de la relation internationale, il y a deux personnes qui ont été mis à aller consoler. Tu comprends qu'effectivement, que même dans le Parlement, même le ministre Bélé, c'est ça que nous voulons. Tu dis que présence est et pas qui s'arrête. Présence est là, tout le monde a fiancé. Et puis, tu sais, tu as occupé le chef de l'État, pécho quand même, tout le monde a payé. Pour pas me rassurer qu'on s'est guisé. Tu es encore très jeune, qu'on s'est assimilé. Pour que ce soit toujours un monde. Pepe Corolla Zassimano, ton ligne va ministre en Dengona, ou à Kodingi Savichasa, ton bon absolu va ministre à bureau, son bon ministre à bureau, que l'on soit commerce à yo, Balibane peut pas aller, ou ça se sera Balibane, ou ça va commerce à nous. Ton ligne va ministre à si le terrain, non, c'est pour la mine, il pose au vent la mine à bureau, on a toujours si le terrain, en tout cas, Kosta Mutamba, coup de chapeau, puis ce Pepe Corolla, toi la Simano, pour l'instant. Alors, il y a un peu de temps, il y a la correction au Salamadiza, au moment où il y a un peu de 10 millions pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, Je suis allé à la maison. Elle s'appelle la poste à Jibé à Boagaye, elle s'appelle la poste à Ouéra à Boagaye. Mais elle est intéressée dans ma banque à la terre. Elle a payé 10 millions. 10 millions de dollars, mais 10 millions de dollars américains, c'est beaucoup. C'est beaucoup à payer, elle n'a pas de corrompre, elle a payé. À Semouli Moussane, maman Rose Mouto, maman, yo, Fatia, repose au ministère, à Tamoukolo, mon côté, à Taï de faire du pouvoir, dans le président Moussou, yo, tu es au Tépo, on voit ça dans le tourisme et le gouvernement, on a traversé ma super à ma puta, à tout moment, tu es dans le nous avons posé à patrouille au Moussala Moussala pour la copie vision fatigue. T'as pas une vision fatigue dans ma loba. Nous sommes là pour faire les visions chefs d'État. Ouais, mais quelle vision ils ont sali? T'as dit ministre de terrain, t'as dit ministre de bureauté. Bon, quand on a pas de pour les mains de la suite, tu sais comment on a souffert. T'as besoin d'un ministre à l'église, soyez à terme. Qu'est-ce qui se passe dans mon cas? En tout cas, coup de chapeau à Kosta Mutamba. Merci bien de vos journalistes. A Vinangaï, n'a c'est pas les mines. Chef de l'État a fait ma coquille. Je vais explorer le terrain, oh yo yo, ma maman maraîchère, ma papa maraîchère, ma maman est la milieu de la bango. Ma porte la biso, ma terrain, ma porte la bango, ma chef coutumier d'avant,
atekela yango ba officier ya force armée congolaise baza kuna belé batongi bandako bato ebele baza suna misala kosala te bato bakomi kosufri na bana babotola bango babibwele na bango babanda ekolona pardon bibwele na bango babanda kobokola bangulu basoso l'élevage Koufa d'avoir en tête ya makambo wana chef coutumier Lemba Imbu donc la monga fula sur rivière Njili donc ministre de la justice landela dossier wana ba mama na ti lelo bazali na maya misu ya kolela na batebele bazali misala te babika na babilanga na bango d'avoir ateka ba mabele wana atekela yango ba militaire ba kenda ba misu ba kota ba kacho ba beta bango ba pebisa biloko na bango ba misu ba kufa yangona yo zali mokonzi ozu sala na yo sala yango kozala na complaisance musike sala musala ndenge sengeli mokonzi mboka tio wana po ozali liso na ye babi la justice qui élève une nation ce qui justice est tambo na kacha mboka malamu mboka kokende ce qui justice est à recouvre un bon et qu'on ait été content pour la terre. Tous les moments, on a campé belle, on a caché un bon coup. Bah, nous sommes détournés bon. Ministre a détourné bon. Bah, mon coup, bah, magistrat, bah, que bah, na, bah, bimisié, à Kimi. Donc, yo le colo yéwana, l'année là, bah, dossier on a ni on sortit. Si tout ma campo, nous aurons le banom. Papa ministre, tambola na situana kendo kotala. Kutana na ba mama wana, yoka ba doléance na bango. Bazana bana bazana ba famille o ba pokolaka en tout cas pour ngai na suki wana merci merci nzambe na lola pambola le président Fatih Beton a pambola pe ministre na biso justice ko ta tamba ba cha vo ko kanga lor na singa na ministre na biso a sunga vraiment ba na biso ba pambola e bele en tout cas na do singa vraiment na ye a sunga ba te bele bazana ko le kana via pas ko par exemple, je pendant 5 ans. Maintenant, on monte pour la dossier pour a va corrompre pour pas foutre bambon rebelle. En tout cas, nous conseillons la ministre de la Justice à faire l'effort, à se battre, à avoir un problème. Nous sommes la ministre, à Bengala, à Bango, à Bamboa, à Bambon, à Walate. Asunga penza batu wana ko bazana mbongo ya ko financer te pona kwa justice mais yo ko ya lokaza papa ya bande bele papa ba te bele asale fort pour ba te bele o bazana problème ba ye asunga bango ko ba le pe bango na bango sunga bango ko ba tata ba te kuzimo ba lam ko za pe pe bien pe poza republique a ko ye pe ya ngo za bo sa na yo ya ni s'adresser na ministre ya justice pour sa ngai ngai pour sa ngai za nga pe na zana problème la nga fa sino ka nda ko sala ça c'est ça pour plus de 10 ans Babenga lokola moi attend mbongo na nga futu na zoa futa tate et quand final na zoa tate mais là tu comme kuna l'état ba sengi bango kae na nga présence de date na banda on sala na sukisa ba kima ba yate ya na osinga ministre ya so boye dale ko sunga ngai na ke pe bambo na nga na esunga nga pona ka pe bien ba splata ngai vraiment merci zamba pa papa mona Je suis un peu plus de temps. Parce que Mpanzuana est un chef de Teka, il va faire un peu de mabele. Il a dit que le mabele cause à l'État. Le mabele est en Zambé. Il a dit que le mabele est en Zambé. Il a dit que le chef va continuer. Non, ce qui est un chef de Koutimé, il a un village, il a un capital. Il a dit que le mabele est en Zambé. Il a dit que le mabele est en Zambé. Il a dit que le mabele est en Zambé. Il a dit que le mabele est en Zambé. Il a dit que le mabele est na cause a bloc wana ba place na biso ba teka yango ba ba tonga ba ndako potane si elanga o to lia ba ndunda to lia pesa bloc
Cette fois-ci, elle a dit pas de passer. L'espace soit les amounen. Les appendants amounen. Bate qui en va traiter Vandabou. T'as pris un bisou qui se continue côté Vandunda, Valégui, Madame Bélé. Qui se continue en pesant prenage mon côté en Boka. Akita Kotoana, à la dénage, tu mets la combo à d'avec. À la dénage, ma lamba, la dava zone, sa place, on a des acquis terrain. Les acquis terrain, il y a pas de voir au Lona. Vraiment, une zone d'activité. Si si n'anga yango a payé on a zan koloba, ayo kanga soka koyo kanga, a kita faire soit na eru milate. Donc zone à cette partie elanga o ezoya tolo na babilo ko tuba kolo na esunga. Si ne tinga kati place. Yamwe ba ko teng sa biso ba teng sa ban. Place de activité à des côtés à la bonne côté nous sablo na zan. Exactement. Message d'anga a kita kaka kuna, a kita kuna a lande a dossier wana. Qui m'a écouté vraiment, et ça m'a l'amour. Merci. Je suis un journaliste. Vandara nommé ministre de la justice, il constate que Moutamba, en tout cas, tout le monde a changement dans le cadre de mon côté dans ma casse. Merci beaucoup à la régie pour cet élément. J'espère que Bandeko, l'indien, mais je vous promets que nous allons continuer avec ces micros baladaires, trop temps pour la pizza, parce que Banambo Kabazaki et Belo Bazaki n'a besoin à Koloba, mais quand même, Tozaki n'a tant mingité à cause de la Libanda, parce qu'il y avait d'autres informations à poursuivre. Donc voilà. Nous allons continuer avec ces dossiers et surtout que guerre entre Constant Moutamba, ministre de la Justice, na Ndekonaye, magistrat. Donc voilà, parlons maintenant de ces dossiers de tentative d'assassinat ou de Kabila en insécurité ou de Kabila peut-être mort. Donc parlons vraiment de ces dossiers. Bandeko Babenga qui bise belé pour savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans le dossier Oyo. Il y a ancien président Joseph Kabila, le sénateur à vie. Est-ce qu'il y a Koukoufa? Est-ce que tentative vraiment? Il y a assassinat. Pardonnez-moi. Et Salamaki, qu'est-ce qui se passe? Donc, Bandeko Babenga, j'espère que vous avez très bien. Je vais vous demander de partager cette émission. Je vais vous demander de vous abonner et de liker. Vous êtes sans le savoir que depuis un moment, Joseph Kabila a zarli sous son ambokate. Vous êtes sans le savoir que depuis un moment, Joseph Kabila a bimamboka. Abimamboka la façon, oh, déjà, je vous dis, même la deuxième, yeban zelanini abimé la te. À côté, peut-être, zamba, côté la qui a appelé ambokka. Qui la République démocratique du Congo, Nandenga Zamba, donc Bazan Banzele, Bele Bazamba Zamba à Kobimil. Abiman Amboka Oyo, sans que DGM Ayeba, Nzelani Abimeli, service y a renseignement à Bissot, continuer à Kosala Moussala. Et vous êtes sans le savoir que depuis un certain temps, il y a. Moutoumoko, AFC, je pense. AFC Obakanga, qui vous vous souvenez de cette personne, je cherche les noms, Eric Kouba, si je ne me trompe pas. Eric Kouba,
tant que Bakanga qui est dans Zimbabwe, na Tanzanie plutôt, voilà, tant que Bakangi Eric Kuba na Tanzanie, a tant que Kikombo y a Joseph Kabila dans cette affaire y a AFC. Il a cité le nom de Joseph Kabila. Depuis qu'il a cité le nom de Joseph Kabila, nos services de renseignement sont toujours en train de continuer à faire leur travail. Parce que des fois, quand on dit que le service de renseignement et ça, la ramoussalaté, non, le service de renseignement, et ça, la vraiment moussalaté. Ils ont continué à faire leur travail. Nous avons encore vu la sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a dit encore, qui nous a précisé qu'il est le mieux informé. Attendez, il est comme Joseph Kabila. A Ebisibiso que Joseph Kabila est derrière l'AFC et que Joseph Kabila est en train de préparer une insurrection. Toyoka qui en haut très bien. Bisonios. Maintenant, les gens du PPRD. PPRD, bon, bah, quand il s'arrête un jour. Joseph Kabila a raison à l'issue de pouvoir en Mboka na biso, malgré passe nyonso congolais à Mona, malgré souffrance nyonso yo, kokoufa nyonso congolais à Koufa, pour na bango. Ils se disent que Joseph Kabila a raison à Kaka, a raison à l'issue de pouvoir, je ne sais pas par quelle magie, je ne sais pas si nous les Congolais, toza kaka wana, poto zela. Comment on n'aura pas si chaque jour les gens de PPRD Bayebara que Joseph Kabila Kozong. Après que Eric Kuba a cité le nom de Joseph Kabila, après que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a cité le nom de Kabila, les gens de PPRD se sont sentis en danger. Ils se sont sentis en danger. Voilà pourquoi ils ont créé cette comédie. Voilà pourquoi va créer comédie Oyo. Babi Misa Lokola, Félix Eleni, Joseph Kabila, Aza en danger, Bazako Lukaye, c'est peut-être le régime. Il y a Félix, Demtezoko Lukaye assassiné, faux et archi faux. Faux et archi faux. Nous savons très bien comment les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui. Nous savons très bien comment les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire à chaque fois que vérifiez les informations. Congolais n'y sont partout à Azali à vérifier qu'information. Information aux Uis, alors à la chaîne, il y a une top Africa Télévision et la information, il y a solo, il y a peut-être que nous vérifions à comprendre que les Kambo Mama Djemé à l'Obaki, tu vérifies que nous avons solo. Réseaux sociaux et comme au Tambola, une petite fuite d'informations à l'Okuta et qu'au Panzana, na minute à Moukier. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, les gens de PPRD ont créé Buzz Nabango, ont largué Ango dans les réseaux sociaux et Panzani que Joseph Kabila a été assassiné. Nyon Soana pour Abimisake. Joseph Kabila était en danger. Oh, bah, attaqué, yé, bah, mais qui quoi assassiné, Azaki Wapi, la réunion à Sadek. Action. Donc, bah, préparer coup na baron, bah, préparer buzz na baron, bah, larguer à mon internet. Tout est bien, les réseaux sociaux et Tambola. Et ils se sont arrangés aussi, hein, pour dire que, bah, préparer qui couana. Pour assassiner Joseph Kabila na Zimbabwe. Pas bande de biso ya SADC. Ce sont les gens de la SADC qui étaient préparés pour assassiner Joseph Kabila. Et aujourd'hui, Tomoni Pe, cet autre condamné à mort d'Henri Magie, oh, a déjà condamné à mort à Yéba que ceux qui vont zuyer, a condamné à mort. A publié pour dire que bande ko na biso ya Katanga bolamuka balingi ba boma Joseph Kabila bande ko ya Katanga balamuka comment
pour aller voir Joseph Kabila, on va la mouka comment? Est-ce que Joseph Kabila a katangé? Pour bande quoi katanga bala mouka Joseph Kabila na 18 ans naye à pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour le katanga? Jusqu'aujourd'hui. Place du boulot ba kotisa mboka pendant 18 ans. Pomboke bimé comment la passe? Le président Félix Azako sala effort. Mais pour mboke bimeza na passe, bande kwa katanga, basa yela bango nini pour le loba si ba telema. Pour le loba telema. Basa ki na nini, o basa yela ki bango et pas Joseph Kabila. O ba perdre lelo, o il faut ba telema. Po ba bunde la Joseph Kabila lelo. Peuple moko kaka o yobino bo nyoko laki. Lelo bo remiko senga. Bate ma pour combattre pour la bino. Bate ma pour bounder la bino. Peuple a zo bate. Hein? Congolais a zo bate. Ezana Katanga. Ezana Mbujimai. Ezana Équateur. Ezana Bakongo. Ezana Bandundu. Congolais a zo bate. Congolais a zo bate. Donc, pour tout cela, oh, bah, y'a qui information. T'es information Yangwana. Il n'a même pas eu tentative d'assassinat, même pas et l'eau comment il a égratigné. Et l'eau comment roté. D'ailleurs, un responsable de service zimbabwéen, interrogé par l'ACP à Harare, confirme que aucune personne, d'ailleurs, pour la bateau, parce qu'il y a un sommet, dans le 44e sommet, il y a Sadek, aucune personne n'a été interpellée. Pour le là, c'est le Zimbabwe, comme aucune personne n'a été interpellée. Délégation Nyonso, il y a RDC. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été interpellés. Il y a aussi la délégation Nini. Il y a des gens qui ont organisé l'Iwana. Comment? Parce que Azaki n'est même pas invité à la Bango. Donc, comprenez que ils ont besoin d'Oyo, bande de collaboration, à peu près, bande de salle, et bien, déjà que Moutoulabango a cité, na kati ya ba, Mabe Bele, ouvertement, le président de la République l'a cité. Donc, voilà pourquoi, bah, Tomboli Bezouana, na réseaux sociaux, pour éviter que les réseaux sociaux, ils ont autant pour ça, vraiment, information, na lo mbango kole quand même, les éclaire. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci beaucoup à la grande équipe de Top Africa Télévision, à tous les partenaires de cette émission Congo Mon Pays. Je vous dis merci. Je vous retrouve à la prochaine. Bye.